Alors bonjour à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous présenter un nouvel outil d'intelligence artificielle qui s'appelle AMA. Donc dans la barre de recherche Google, il va falloir bien marquer AMA.app, sinon ça va vous rediriger sur d'autres produits. Donc ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est vraiment comment retirer un objet, par exemple là j'ai une image, comment retirer par exemple l'ordinateur ou la boîte à outils de l'image sans utiliser Photoshop. Hein, on connaît pas mal de. Enfin moi je connais pas mal de personnes qui utilisent Photoshop et qui prennent un temps fou pour enlever. Justement, ces petits objets-là. Donc là, avec AMA, qui est en plus complètement gratuit, vous allez pouvoir le faire très rapidement. Là, vous avez le curseur, vous pouvez gérer la taille du curseur si vous voulez être un peu plus précis. Vous pouvez utiliser la molette aussi pour zoomer. Donc là, par exemple, on veut retirer cet objet juste ici. Voilà, donc là, on colorie. Voilà, comme ça. Vous faites écraser. Donc c'est un. Enfin, et erase. Et voilà, et là vous voyez que vous n'avez plus du tout l'objet derrière. Donc par exemple, là, vous avez vu, il était là. Par exemple, si j'ai envie d'enlever celui-là maintenant, hop, vous coloriez. Donc comme l'outil est gratuit, plus l'image va être simple, plus ça va être facile à l'outil d'enlever, en fait, d'enlever par exemple la boîte à outils, sans laisser de traces. Hop, vous cliquez sur Erase. Et là, vous voyez qu'il n'y a plus du tout l'outil. Et si on revient en arrière, vous voyez qu'il y a l'outil. Et là, on voit vraiment que c'est comme si l'outil n'avait jamais existé. On va recommencer pour vous montrer. Voilà. Donc ça, c'était un outil assez simple. Donc là, vous voyez qu'il y a une petite trace rouge, donc il faudra refaire. J'avais pas bien colorié. Donc là, vous avez juste après à télécharger l'image. Et puis après, vous avez votre image avec ce que vous avez souhaité enlever. Tout simplement. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée. On se retrouve pour la prochaine vidéo.